TV Lakay Haiti.com, gros bonjour et bonsoir pour nous toutes. Jeudi, c'est mercredi et 18 janvier 2022. Nous comptons avec vous dans une nouvelle vidéo ça qui nous porte pour toutes les amis compatriotes nous yo. Et nous pas oublier pour un petit temps pour nous remercier toutes celles qui restent connectés sur le canal ça, tout un bon fanatique nous yo, tout ancien et nouveau abonné TV Lakay Haiti.com. Nous dit merci pour fidélité ou à confiance ou merci le fait que vous faites choix de nous comme grand canal qui l'a pour informer sur tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti, que ce soit international ou national. Pas hésiter, taper TV Lakay Haiti.com et puis activer la cloche notification. C'est le qui permet de recevoir tout message qui dit les nous live ou bien nous poster une vidéo sur canal ça. Gros information que nous portons pour vous aujourd'hui à la, nous connaissons la police là qui en deuil après attaque féroce en chef gang Iso mélangé avec soldats Lyota fait sur la police côté gain policier qui mourir, gain qui blessé. Eh bien, selon ça, nous avons comme information, même policier ça qui nèg village de Dieu kidnappé. Eh bien, policier ça ta parlé encore. Selon information nous, eh bien, dans attaque féroce ça, il y a un pile critique en bon côté. Divers moun citoyens citoyennes qui trouvaient que Frantz Elbé monsieur manquait capacité pour le directeur général police là parce que depuis Frantz Elbé entré à là c'est pas deux trois policiers qui pas mourir même Jean Léon Charles et jusqu'à présent n'a parlé là Frantz Elbé par Jean Bayon réponse avec un chef gang ça qui au même près la police là pour yon passoir chef gang ça qui pas gain respect pour PNH là chef gang ça qui pensait c'est eux même qui mettent pays ça par rapport avec divers ministres, divers anciens ministres et anciens présidents qui n'ont sous ces saucisses avec bandit sao et je dis à qui fait négo sans pitié pour la police. Et bien, mesdames et messieurs, dans la vidéo ça nous porter pour là nous pour le faire découvrir diverses raisons qui fait Frantz Elbé doit démissionner en tête PNH là parce que monsieur pas capable en pile policier a mouri directeur jeune inspecteur police mouri et commissaire mouri Frantz Elbé pas jamais bail réponse avec un bandit ça yo nèg yo pa jam faire une bonne opération envahi Matissa envahi Kwa de Bouquet envahi et Torsel envahi Grand Ravine nèg yo pa gen capacité ça et ben jodi à la nous ouais bandit yo qui yo même yo montré la police là yo pa peur yo yo montré la police là yo pa rien devant yo yo kidnappé yo touye policier entrer à koyo dans base yo et la police même a levé cou quitter machine tout a marché avec toutes armes. Pays a fini. En tout cas, mesdames et messieurs, dans la vidéo, ça, nous allons inviter ou entendre des causes qui sont dans le pays ça, et pour quitter les commentaires en bas de la vidéo pour dire nous qui sont pensés, qui ça ou ouais, qui t'a fait pour changer le pays ça. Est-ce que Haïti a délivré en bas mes bandits ça, en bas mes nègres dans la politique, en bas mes juges dans le pays ça, qui je dis à la. Et nan kouri après gros déblosage qui pété CSPJ avili 30 juges qui ont même pas droite nèg yo gen mauvais dossier sous doyo nèg yo nan confiolo ak bandi libérer gang pour l'argent libérer prisonnier pour l'argent blanchi nèg qui ont même coupable en bas la loi bagayo grave. En tout cas restez sur vidéo jusqu'à la fin, bonne écoute tout le monde, n'a tourner pour une prochaine vidéo. Donc plaisir pour entrer la caillou. Dans l'idée pour nous porter pour toute dernière information qui a dominé l'actualité. L'autre fois, on a dit bonsoir tout le monde, bonsoir Jimmy, bonsoir Salomon. Bonsoir Anderson, nous saluons tous les internautes, nous saluons tous les Haïtiens qui vivent à travers le monde. Encore une fois, nous sommes très contents pour nous rentrer à la caillou, pour nous informer de tout ce qui a passé en Haïti. Bonsoir Anderson. Eh bien, Salomon, sans perdre du temps, on a commencé avec un dossier sécurité côté nous. Bandit armé en dans et village de Dieu t'a attaqué yon patrouille policière pendant la journée mardi 17 janvier 2023. Action ça qui t'a passé et tout réponse police qui relève cafétéria et dans cadre attaque là yon policier est sorti blessé par balle yon l'autre rivé et kidnappé et pas mal frayo et yo gen temps pour prendre la fuite avec patrouille et policière là selon information et qui rivé jeune nous et bandit si la yo ta attaqué et patrouille policière tout près et cafétéria, yon agent force l'audio ta touché par balle, yon l'autre qui était en dans machine ta kidnappé par bandit sa yo et yo rivé parti avec et machine sa à côté agent et policier te la dedans et cependant et machine lui-même qui t'a tombé en panne et bandit t'a abandonné lui au cours de route, mais agent force et de l'audio pas et relâché et bandit ça, c'est-à-dire dans cadre attaque ça dans moment et bandit t'a tenté aller avec un véhicule là ainsi que policiers et kidnappés a gain l'autre et patrouille qui était venu en fort pour ne pas dire qui était parti à la poursuite individuelle et nouvelle attaque et ici là contre les policiers rappelé et drame et qui t'a fait dans mois mars dans l'année 2021 en dans et village de deux côtés et plusieurs et policiers t'a perdu la vie en babal et bandits armés et si là. Voilà, c'est quand même très triste, mesdames et messieurs. Là, j'en nous dis, là, c'est police et groupe gang, village d'Idiot a kidnappé. Évidemment, j'en ai bagay ça au pari place. Est-ce que nous, qu'on commence à faire arriver, entre autres, Anderson, est-ce que, comme s'il lançait Bacoplan, qui s'accrivait? Bon, et Jimmy, information, c'est qui s'allie, c'est dans moment, et patrouille, et policiers là, dans la zone, et cafétéria. Salomon, et si m'ba rappelé, et cafétéria, et l'ina angle, et l'école, lycée Toussaint, ou du moins, et bon, et banque, et république, et d'Haïti, hein, et bien, et monsieur Sao qui sorti en dedans, village de Dieu, et qui vient faire exaction ça, et dans zone là, et tout près, et commissariat, et poste police ça, et qui relais, cafétéria, et bien, dans moment, et était gagné, yon policier et nan patrouille là gen l'autre policier qui était dans espace ça bandi yo tiré à bout portant et ce policier ça qui sorti blessé et policier qui était trouvé là en dedans et patrouille là lui-même bandi yo et yo monté machine là yo aller avec patrouille et policier là l'on dit monté machine là gen en pile fois gen moun et qui capable et penser que c'est machine bandi yo té a non c'est bandi yo rivé monter non et patrouille et policier là et puis yo aller ensemble avec là pendant agent et policier était là dedans au cours de route machine ça elle même qui t'a vinn et prend panne malgré ça et civil ami ça yo pas quitter policier dans machine là yo mettait dans machine pa yo et puis yo rentré directement et dans village de Dieu mais information et qui jeune nous fait quoi gen l'autre et patrouille et qui t'a et poursuivre et monsieur Sao ça que nous capable dire pas de échange et de tir et dans moment monsieur Sao t'a tenté et rentrer en dans village de Dieu ou du moins et dans moment pas machine ça lui-même li t'est tombé en panne mais nous capable dire attaque ça et yon policier est blessé en babal civil armé Sao et yon l'autre arrivé et kidnappé. Oui, et puis nous te dit là, nous te parlé de ça mesdames messieurs, tout autant opération parfaite pour finir avec groupe gang surtout village de Dieu. Monsieur Matisson, ça, tout autant, par une opération officielle qui fait, tout autant, gouvernement, ça, protéger gang, ça, a toujours une victime. Et puis, nous espérons que la police, monsieur, n'a pas comprendre que je dis là, nous avons un gouvernement qui en face nous. Nous avons Ariel Henry qui se chef gang, et qui en face nous, parce que c'est pas normal. Comment la police sentit, je dis là, pour le temps de ses frères, ses confrères qui ont passé misère même déjà avec lui, que nous avons des bandits kidnappés. Évidemment, ça va faire nous du bien. Mais la police, monsieur, réveillez-nous. Réveillez-nous, nous disons, nous besoin quelques juges sérieux qui pour mettre un mandat, qui pour marrer chef gang. Nous ne pas parler des zones, nous ne pas parler des Ariel Henry, puisque c'est le tête là. Salomon, par contre, ça va ajouter. Et du même temps des dossiers, mais par rapport avec ça, du même, les policiers sont victimes, non? Quand tu regardes pour eux, est-ce qu'il n'y a pas des policiers tout, qui t'en ont publicité? Avec les gens en bas, et nous capable dire, dans le village, qui à cause, policiers, ça, tout ça, kidnappé, une guerre, qui blessé. Est-ce que par complicité, que policiers, tout qu'on en bas, coplan, ou bien qui connaît un commissariat, et je dis, qui livré, ça arrive, je dis, mais, en plus, pour les policiers victimes, c'est des policiers qui livrent des policiers encore, par rapport avec, et qui des dit, le besoin de faire, policiers, ça, occupé encore, et puis, des policiers, même qu'on livre des policiers à bandits. Est-ce que c'est pas ça, nous jeunes d'aujourd'hui là, qui cause, et nous capables de dire, et des policiers, encore une fois, qui victimes, et en bas, mes bandits. Mais pas oublier, Jimmy, la fois dernière, nous avons parlé de comment, monsieur Villageau, yo à l'aise, arrivé Frantz Elbé, en de payant, monsieur Villageau, yo à l'aise, en de payant, monsieur Villageau, c'est comme si rien n'était, monsieur Villageau, ou a dit, c'est comme si, yo à l'aise comme blesse, mais je dis, même barrer le next à quelque part, bandit. Parce que next à eux, il y a fait travail. Non, mais t'as dit, mais il y a fait travail pour voir. Bon, pour moi, je dis, et qu'il a samedi, il a montré que les amis, il dit, il va l'autre pour les quoi l'ouvrir dans la zone. Comme si nous avons place autorité dans le pays. Mais si nous avons place autorité dans le pays, formons le dialogue qu'on a, où les ministres du pouvoir, les protégés du pouvoir, les agents, agents communautaires, bon, comme vous l'avez dit. Bon, c'est une arrivée sociale dans la zone, c'est une arrivée tout bas dans la zone, on y a à l'aise, c'est une débouche dans la zone, c'est une ça pour venir, pour importer plus. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je décris une réalité qui est en Haïti. Oui, Haïti n'a pas découvert une réalité en Haïti, et je dis là, moi je pense que la police a victime, ou que dans cette complicité, policiers encore qui cause, mais ça a victime dans le village de Dieu, en dessous. Mais, Salomon, pour ajouter avec les dossiers, ça, et ça qui passait, et devant, cafétéria et jodia là, nous connaissons cafétéria avec le village de Dieu et on a parcouru quelques kilomètres pour sortir dans le village de Dieu pour entrer dans la cafétéria, c'est-à-dire yon poste et police et yon poste police et nous connaissons ou joindre inspecteur là ou joindre chef de poste là pour nous citer et ça seulement et sans même nous pas parler de l'autre agent policier qui t'a sous place dans le moment pour bandit village de Dieu river devant cafétéria. Yo tiré sur un agent policier prend balle jusqu'à ce yo obligé courir avec l'hôpital pour la prendre soin et qui ont l'autre policier qui était chita et dans patrouille dans moment monsieur ça yo gagne le temps pour yo prend la fuite avec les policiers ça sans yon coup de balle et pas tiré rivé au coup de route machine la police lui même qui t'a tombé en panne monsieur ça et gagne le temps pour yo traverser policier ça et dans machine pa yo yo gagne le temps pour chauffeur pa yo qui t'a conduit patrouille policier ça et policier ça traverser et dans machine pa yo jusqu'à ce que yo rentre village de Diavel après ou tande la police faut connaît gagne patrouille qui t'est partir à la poursuite de monsieur ça alors et jodi là nous connait ça qui habite passer en dans institution policiers là, même policiers ça yo comploté pour capable assassiner et policiers pareil yo. Un exemple est vivante et bien que et ça gagne environ 4 à 5 l'année Salomon, le nous pral toucher et dossier policiers ça qui était les Casanova, yon jeune policier, yo assassiné dans niveau et portail Saint-Joseph et Jimmy et c'est triste pendant Casanova chitade on backup et policiers, bandit grand avine qui t'a circulé sous moto, passé, yo tiré Casanova, on coup de balle pas chanté, yon civil armé ça ou pas sorti victime d'après enquête et qui t'a mené d'après information nous t'a gagné c'est même inspecteur police qui était en dans sous commissariat et portail là en pile moun la ka konn sous commissariat portail là mais même inspecteur police ça yo t'a voulu faire quoi que Casanova te gen lien avec madame ni et pour ça li sentil indigné li sentil frustré li fait bandit et tire Casanova l'on pral prendre l'autre exemple encore l'on pral regarder commissariat et portail Léogane nan assez souvent pour nous dire dans temps passé yo ou qu'on tande bandit qui attaque sur est-ce que jodi à la bandit qui attaque sur non bandit pas fait attaque sur pendant que et ces bandits cap contrôler et niveau et portail Léogane et bien et jodi là nous capable di action ça prouver et yon l'autre fois que institution et policière là gen en pile corrompu la donne surtout avec arrivé yon moun étant que Frantz Elbé nous connaît et Frantz Elbé lui-même li sépare et par une petite yon puissant et chef de gang qui t'a opéré et dans niveau et meilleur et pour ne pas dire et commune quoi des bouquets et jodi là même Jean Salomon et Sotripitel monsieur Sao et n'a dit de préférence ces milices et du pouvoir ce sont aider et les protéger du pouvoir et ailleurs nous capable rappeler nous dans intervention collaborateur nous Lionel Jean-Charles il faut connaître oui jodi là la police a attaqué Timacat c'est tout à fait parce que nous besoin qu'il est libre et libère en d'un pays, bandit pas de ba nous bout terrain, bandit pas de limiter nous, et même fait nous tourner migrants en d'un et propre pays nous, ça fait arriver Frantz Elbé. Ou pas de aucune opération menée, yon façon pour démanteler. Promotion dans la police là, Lazare, 2 minutes, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Pierre-Renel, bonjour Lydie, bonjour Johnny Ferdinand. Nous allons tout auditeur, auditrice Radio Caraïbes, nous allons tout policier, malgré des moments difficiles, mais qui y a travaillé, y a fait ça au gain pour y faire. Et maintenant, intervention maintenant, c'est que la base est sur 2 faits, mais moi estime que qui est extrêmement important. Premier bagage là, c'est que jeudi, nous sommes capables de constater que depuis le commencement de l'année, j'en ai toujours qu'on dit la police tourne, cible, ensemble de bandits dans l'aire métropolitaine. Hier, nous sommes capables de constater qu'il y a un policier qui perd la ville et puis il y a un autre qui est blessé. Et il y a une bagaille qui fait nous mal, c'est parce que nous, c'est façon que nous, ouais, gens que policiers, même a tombé. Moi, je pense que ça qui passe hier là, et ça qui passe qu'à faut faire là tout, chaque policier doit prendre exemple. Moi-même, matin là, on a parlé avec policiers et puis on a parlé tout avec responsable qui n'a commissariat tout. Et nous bien content tout hier directeur général de la police là, monsieur Frantz Elbé, il fait une rencontre sur ça pour permettre que responsable gain contrôle policier, les policiers à venir travailler et permettre tout gain sacré les briefings qui fait pour policiers chaque matin les policiers pour aller travailler. Moi-même, matin, là, m'a dit collègues policiers, nous, situation est vraiment compliquée. Même Jean-Jodi, nous félicitons un groupe policier, nous félicitons policiers à chaque fois qu'ils font bagaille qui bon, mais nous, en mesure, en tant que syndicat, pour nous reprocher tout des fois comportement, gens que policiers, ouais, on série de bagaille. Ça passe qu'à vous faire là, c'est moi-même clair que je dis à la fois policiers pas mettre en position pour faire un ensemble de bagages que vous pas dû faire dans le cadre de travail. Nous vivons dans un contexte qui est extrêmement difficile et puisque le contexte là est difficile, nous croyons que tout le monde supposé, tout policier doit entendre pour être capable de comprendre que dans le moment que nous vivons là, il m'a dit que faut que nous réfléchissions par rapport avec les gens conjoncturels hier. Hier, policiers, ils ont encore, ils ont ensemble avec lui. Moi, apprendre que c'est deux policiers seulement qui étaient dans un backup. Et en balade, là, sont une zone qui est extrêmement difficile. Est-ce que responsable commissariat, ça, c'est un contrôle de policiers, ça, qui étaient dans le backup là, pour compter, ou du moins, est-ce que c'est policiers qui étaient déplacés sans que responsable là, les pas au courant que policiers, ils ont été déplacés. Nous-mêmes, au niveau Sénapoa, nous croyons que policiers, faire un pile prudence. Nous vivons dans un moment qui est extrêmement difficile. Matin, je parlais avec un cousin policier et qui mourit. Il dit comme ça que même au niveau par où il a fait des marches, il a fait parler avec monsieur pour voir comment il était capable de jouer un corps. Et c'est bien dommage, monsieur dit que c'est pas faire attaque là, il n'y a pas de policier qui n'a pas de main, il n'y a pas qu'on ait qu'il fait attaque. Moi-même, guerrier, et ça va passer vraiment triste. Il faut que l'État crée conditions pour les policiers capables de travailler. Si l'État n'a pas créé conditions pour les policiers capables de travailler, eh bien, ce qui va passer là a toujours passé. Donc, il faut que le conseil de responsables dans la police prenne responsabilité. Responsable commissariat, responsable base. Il faut faire briefing chaque matin pour les policiers, pour nous faire, pour nous parler avec eux, pour nous faire comprendre la nécessité qui gagne. Si ou non PFA, avant de vous déplacer pour aller non PFB, il faut qu'on alerte bazar pour dire bazar, mais ça gagne là, moi je voulais aller là, est-ce que je suis capable d'aller? Il faut que les policiers parlent de quoi trop. Parce que ennemis abvéo, nous voyons ces parties, nous baillons toute famille policier ça et on l'autre fois encore, on a demandé directeur général de la police pour l'encourager dans le travail ça que lui commence à faire et encourager les responsables, permettre qu'ils soient capables de prendre disposition et permettre qu'ils aient un contrôle policier à tout. Si le policier a bien travail, il n'y a pas non PF dans le commissariat à déplacer, il faut que le responsable ait un contrôle pour le policier ça laisse à me penser que c'est pour bien-être pour le policier, c'est pour permettre que le policier soit capable. Merci un peu Lionel Lazare, il fait déjà 8 heures après le monter de rapport, on a pour tourner tout à l'heure.